This is Sadie Sourdogo, and this is his black and white Mod Plus Bogolan. And he's going to show us how he made this. Le bogola, il y a trois couleurs principales. Mais le siga, c'est la couleur de base. Okay. Donc il y a le siga, il y a l'argile et il y a le sorgho qui donne la couleur rouge. Madame Janeba, qu'est-ce que tu fais? Je trempe le tissu dans le siga. Pourquoi? Pour avoir la couleur jaune, qui est la couleur de base. D'accord. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà, je suis en train de tirer pour avoir la forme du tissu et l'étaler. D'accord. Et voilà maintenant, ça c'est la terre. La terre, il est préparé avec de l'argile, du barrage, avec le son du mil. Le son du maïs qu'on le fermente à la terre. Voilà, c'est ça qui fait l'odeur. Si tu veux que ça se fermente bien, il va falloir une semaine. Avec la terre et l'eau du siga, ça se contracte comme ça, tac, et ça fait le noir. Voilà, et là, moi j'ai le tissu. Je vais commencer à tremper dans la terre pour le rendre noir. Si je le trempe, je le lave comme un habit. Vous voyez, bon, le tissu ça commence à donner noir. Ça a déjà commencé à changer de couleur. Ouais. Et là, c'est la première étape des tissus qu'on est en train de tremper. Et après ça, il y aura le lavage encore pour le tremper dans le siga. Trois couches, remettre la terre encore pour que ça soit bien noir. Ouais, on est dans le mélange du blanc et voilà, c'est du chlore et l'homo. Ouais, ces motifs, ça signifie se donner des idées pour avoir une idée comment construire le monde. Ouais. Là, on a une personne. C'est fusil. Et là, c'est le monde. Là, c'est le monde. Comment construire le monde? Maintenant, comme c'est sec, on va passer au lavage. Voilà un tissu fini, noir sur blanc.